les gens, c'est Floskill et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode du U-Challenge sur la chaîne de la Blizzard et on commence tout de suite avec le premier clip réclamé par Apo Virtual qui va demander une quad field kill cam. Il a pas précisé le jeu et c'est bien sûr SKM qui va s'en charger sur Black Ops 1 sur la map Nuke Town en R&D, vous l'aurez compris. Et voilà, une petite quad field kill cam qui passe vraiment très clean, je vous laisse la regarder. Pour notre seconde réclamation, on retrouve IS, je ne sais pas comment prononcer, désolé, qui demande une quad lame sur BE2, excepté sur les maps Hijack, Nuketown, Red et Grind, c'est des maps quand même très typiques. Et c'est bien sûr Rock qui s'en occupe, qui va nous rentrer une quad lame sur la map Cargo, en tout cas très beau clip. Pour le troisième clip, c'est la IS qui demande une quad skewer de l'autre BG SKM. Je connais pas un BG qui s'appelle SKM, je connais 4 roues de balles qui s'appellent SKM et les bits, mais sinon je connais pas. Une quad skewer réalisée sur Nuketown, GG gros, bien joué. Pour le quatrième clip, c'est YesTays qui demande une quad TK en R&D et c'est Supra qui va s'y coller sur la map Red. Il va nous foutre une quad TK juste magnifique avec un turn sorti du futur, mais vraiment un très très beau clip. GG à toi. Pour le cinquième et dernier clip, Opa Sniper réclame une quad OSTK avec une arme dans les mains si possible le SMO. C'est Supra qui va s'y coller avec le Wadobil, il va nous foutre bien sûr la quad TK Quest sur la map Havana sur Black Ops 1. Vous l'aurez compris, un clip vraiment très stylé, GG à toi. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode du U-Challenge Blizzard, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous faites comme vous savez faire, vous laissez le petit like, il fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de nous laisser beaucoup de défis en commentaire, donner des défis pour le prochain épisode du U-Challenge Blizzard qui sera avec le clan tag U. On n'a pas voulu mettre plus de clips que 5 parce que sinon vous aurez spoil les autres défis. Il y aurait d'autres défis qui n'auraient pas pu être faits aux autres parce qu'ils auraient déjà été réalisés dans celui-là. Enfin, je pense que vous m'avez compris, perso moi je me suis compris. En tout cas, n'hésitez pas à féliciter aussi les joueurs qui ont participé à ce U-Challenge Blizzard. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la Blizzard. C'était Floskill, allez ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine.